Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est dimanche et vous savez ce que je fais le dimanche, enfin ce que nous faisons le dimanche quand il pleut pas. Aujourd'hui c'était une journée sans, donc ça va. On va au marché en Belgique. Donc nous, le marché en Belgique le plus près de chez nous, c'est Boussu, voilà pour ceux qui connaissent. Et on a été voir notre boutique préférée, voilà. Donc la boutique préférée que l'on a sur le marché de Boussu, c'est Phonemania, qui vend des diamond painting, bien sûr. Donc voilà, on a été leur faire une petite visite aujourd'hui. Chouchou avait vu sur leur page Facebook et sur le site des nouveaux DP, et il y en a deux qui l'ont tapé dans l'œil, bien sûr. Donc automatiquement on a été les chercher. On adore toujours autant cette boutique, les personnes qui s'en occupent, vraiment très très à l'écoute, vraiment super sympa, à chaque fois je le dis, mais c'est vrai, donc je le dis, voilà. Alors aujourd'hui on a fait un peu plus d'achats chez eux. On a acheté un accessoire, donc cet accessoire va être pour Chouchou, mais je vais vous le montrer bien sûr. On a acheté deux diamond painting, voilà. Et on a acheté une nouveauté également, donc en diamond painting. Je vous fais découvrir ça tout de suite après. Alors, d'abord, avant de me mettre face bureau, je vais vous montrer l'accessoire. Alors, je vais le sortir de sa boîte. Une lampe, oui. Alors, cette lampe... Alors, attendez, je vais enlever la protection pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, déjà, le bras, vous voyez, il se met comme vous le souhaitez. Hop, vous pouvez le pencher devant, vous pouvez le mettre bien debout, vous pouvez le mettre sur le côté, voilà, hop, vous voyez. Ça se tord dans tous les sens, c'est superbe. On a une petite prise comme ça. Pas pour le brancher, comme la dame nous a expliqué. Ne faut pas le laisser sur secteur parce que la lampe va s'user plus vite. Hein, elle ne va pas s'user dans 3 mois, hein, bien sûr. Mais je veux dire, laisser ce style de lampe sur un secteur, ça use les batteries parce que ça fonctionne en batterie. Alors, je finis d'abord de vous présenter le dessus. Vous avez un petit pot. Ici, du coup, vous allez pouvoir y mettre vos stylets, tout ce que vous avez besoin pour votre diamond painting, vos pinces, vos stylets, votre glu, enfin tout ce que vous souhaitez. Et ici, on a un bouton, bien sûr, pour allumer la lampe. C'est un bouton variateur. Voilà, donc variateur, ça veut dire que vous allez mettre la lumière de la lampe de très 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 blanc, voilà, je vais y arriver, je bégaye, à une couleur plus douce, voilà. Donc là, c'est à votre choix, ce que vous préférez. Je vais vous l'allumer, de toute façon, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Alors, je vous disais que ça fonctionnait avec des batteries. Donc voilà le clapet à batterie. La batterie est fournie avec, enfin, les batteries, voilà. Donc, il y a deux batteries comme ça. C'est les batteries comme dans les cigarettes électroniques. Voilà. Et quand le jour où vos batteries ont rendu l'âme, parce que bon, les batteries, ça, au bout d'un moment, ça rend l'âme. Hein. Ça, c'est comme dans les cigarettes électroniques ou n'importe quel appareil où il y a des batteries. Chez Phonemania, vous retrouvez les batteries qu'il vous faut pour votre lampe. Il y a 4 petits patins. Voilà, derrière, enfin en dessous, pour une bonne stabilité sur votre table. Voilà, ça empêche de glisser. Elle est super légère, vous voyez, vraiment très léger. Alors, il y a 40 LED dans la lampe. Voilà. Hop. J'avais mis à l'envers la lampe. Voilà, là vous ne les voyez pas, mais quand je vais l'allumer, vous allez le voir. Il y a 40 LED. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Donc, il y a deux batteries incluses. Bon, ce n'est pas écrit en français, hein, malheureusement. Donc, voilà, elle se tourne à 360 degrés. C'est ce que je vous ai montré. Vous pouvez la mettre dans tous les sens. Donc, je vous remontre le dessin. Voilà. Donc,
Vous pouvez tourner votre lampe à 360 degrés. C'est une 4 volts. Et il y a 40 LED. Les couleurs de température, enfin les couleurs de la lumière, ça va du 3000 au 6000 K, pour ceux qui s'y connaissent. Je donne cette petite information. Donc voilà, donc cette lampe-là, on la retrouve sur le marché et on la retrouve également sur le site internet. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y a une surprise pour vous, offert par Funmania. Voilà, donc ça, je vous en parle tout de suite après. Donc, on va dénouer le petit câble. Alors, le câble, je vais vous dire combien il mesure, ça, je ne sais pas. Alors, hors prise, hein, je vais mesurer ça. Hop, avec mon mètre de couture. 79. Avec les deux embouts, 79 centimes, centimètres. Alors, d'un côté, vous avez une prise jack comme ça, c'est le côté qui va aller dans la lampe, et de l'autre côté, vous avez une prise USB, voilà. Donc, vous pouvez recharger directement votre lampe par le biais de votre ordinateur, si vous le souhaitez, ou alors, comme nous, on va faire... moi j'ai toujours ces petites prises d'avance dans mes tiroirs. Voilà, vous rajoutez une prise comme ça, voilà, les prises USB. Moi je trouve que c'est ce qu'il y a le mieux. Moi, vous ne déchargez pas non plus sur votre ordi, et vous pouvez le brancher directement sur secteur. Voilà, donc on va mettre la prise dans la prise, hein, ça vous le savez. Et ici derrière, voilà, il y a un petit trou. Et c'est là que vous allez mettre votre prise jack. Voilà. Alors, je vais essayer de me faire un peu d'auteur. Avec ça. Pour que vous voyez bien. Est-ce que ça va... Il faut encore un petit peu d'auteur. Ah bah attendez, j'ai ce qu'il faut. Hop, désolé pour le bruit, je vais mettre une boîte. Voilà. C'est pas encore assez haut, mais ça ira. Donc, je vais brancher ma prise sur le secteur. Et quand vous branchez sur secteur, vous voyez, alors est-ce que vous allez le voir? Oui, là, vous voyez, il y a un petit voyant qui s'allume. Donc, par contre, je ne sais pas si le voyant redevient vert quand la lampe est complètement chargée. Ou si ça s'éteint, ça je sais pas, et comme c'est écrit en anglais, je ne saurais pas vous le dire. Bon, c'est pas très grave ça. Donc attention les yeux. Alors vous allez tourner, voilà, hop, vous voyez déjà là, rien qu'au début, c'est une lumière très très blanche, vous voyez, avec je mets ma main. C'est une lumière vraiment très blanche. Et on va tourner dans l'autre sens. Parce que là, je l'éteins. Donc, ça ne fonctionne pas si j'éteins. Voilà. Donc, très blanche. Et hop, et là, ça devient jaune. Ça fait une lumière jaune. Alors, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien ce que je veux dire. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Ça m'éblouit, mais c'est pas grave. Et dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez, on voit. Et là, je l'éteins. Donc, vous avez ce petit bouton variateur. Donc, quand c'est... Je suis là. Quand c'est une lumière très blanche, ça vous fait 6000 K. Et la lumière jaune vous fait 3000 K. Bon. Ça, j'y connais rien, par contre. Là, je ne peux pas vous donner d'explication. Là, je ne connais pas. Mais bon. Alors, je vais la rallumer pour qu'on voit si on voit des LED. Non, hein, si je vous mets ça en pleine bouille, ça ne va peut-être pas le faire. Oui, non, avec le reflet dans le téléphone, ça ne fonctionne pas. Mais bon, vous avez très bien compris le principe. Voilà, donc là, on va la mettre à charger, enfin Chouchou va la mettre à charger un petit peu
pour que les batteries soient bien, bien pleines. Bon. Souvent, les batteries, c'est déjà chargé un peu. Et là, justement, je vais enlever le câble. Vous voyez, il n'y a plus de câble. Et on va voir si les batteries sont chargées ou pas. Oui, voilà. Hop, jaune et blanc. Et donc là, elle est chargée. Vous n'avez pas de câble. Vous êtes tranquille. Vous pouvez la poser où vous voulez. Je trouve ça nickel. Alors, son prix, vous allez me dire, oui, c'est beau, mais combien ça coûte cette petite chose? 20 euros. Voilà. Donc 20 euros. Je trouve pas ça cher. Puisque là, en plus, les batteries sont fournies. Hein, des fois, on a des articles comme ça qu'on commande sur Internet ou quoi, et on n'a pas les batteries avec. Je sais que les batteries comme ça pour les cigarettes, pour une déjà, c'est 10 euros. Voilà. Donc là, vous en avez deux, et la lampe coûte 20 euros. Donc faites le calcul. sur le site, les batteries de recharge, je regarderai si je les vois sur le site. Pour vous mettre le prix des batteries. Je regarderai. Si j'oublie pas, avec ma tête, mon petit cerveau de poisson rouge, vous savez que des fois j'oublie. Alors voilà, une superbe lampe avec son câble. Et si vous voulez mettre une prise, bah, ça vous, soit que vous en avez dans vos tiroirs, ou vous en achetez une. Pareil sur le marché, hein, c'est des trucs qui coûtent quoi, 2-3 euros. Voilà, ça coûte rien. Allez, je vais mettre ma lampe sur le côté. Je vais me mettre face bureau après, mais je vous montre déjà les deux DP. La nouveauté, je vous la montre en dernier. Voilà. Deux DP, deux petits DP. Alors, ils mesurent 30-40 cm. Voilà, ce sont des pleins et ce sont des perles rondes. Voilà. Donc là, je vais me mettre face bureau et je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, premier DP. Alors, est-ce que je mets le flash pour que vous voyez mieux? Oui, ça va. Donc c'est un attrape-rêve avec des jolis papillons. Donc dans une boîte en plastique dur transparente. Alors je vous montre ça en détail. Alors voilà d'abord le dessin. Mais super beau. Et vous allez retrouver, alors on a combien de couleurs? On a 23 couleurs. Donc les couleurs sont en sachet zippé. On a bien sûr d'abord notre petit toolkit avec le carré de glue. Et on a nos couleurs. Alors on va avoir beaucoup de noir, hein, ce qui est normal. Mais puisque le fond est noir. Il y avait un sachet de noir, deux sachets de noir, trois sachets de noir. Du gris, un autre gris. Alors, il y a beaucoup de violet, de bleu, de gris. Un petit verre d'eau. À boire, hein, c'est la couleur. Encore un violet, du bleu, un autre. Alors là, vous le voyez bleu, mais c'est un violet. Voilà. Si j'enlève le flash, vous voyez mieux. Oh non, là, vous voyez rien du tout. Il fait noir aujourd'hui. La pluie va arriver. Un gris. Alors c'est gris, c'est pas bleu ciel, hein, c'est gris. Alors là, c'est un bleu marine, du vert, encore un autre verre d'eau et un rose. Voilà, j'en ai encore ici. Donc un bleu. Bon, il y en a un petit là qui s'est évadé, mais c'est pas grave. Un bleu ciel, un autre bleu
et toujours bleu. Voilà pour les perles. Hop, on va mettre ça sur le côté. Et je vous montre maintenant, alors d'excellente qualité, hein, les DP de chez Fun Mania. Je les aime beaucoup. Donc voilà le dessin, enfin le dessin, la toile. Donc vous voyez, il va y avoir beaucoup de noir à faire, hein, mais le dessin va mieux ressortir justement grâce à ce fond noir. On a 23 couleurs. Vous retrouvez en haut à gauche et en haut à droite le petit dessin. La légende également. Alors, on va regarder de plus près la légende. Ah, ça brille. Voilà. C'est désolé, c'est le plastique. Alors, en haut, on a un petit symbole, le symbole pi pour le numéro 1. Et après, on a des chiffres. Des lettres majuscules. Voilà, donc rien de compliqué. Au niveau de l'impression, ben regardez, c'est nickel, hein. Même le blanc sur noir, voilà, voyez. Vraiment nickel, nickel, nickel. Et au niveau colle, ah ben, il y a de la colle. Ça colle bien. Voilà. Donc, vous retrouvez donc 30-40. Et en bas, vous retrouvez quelques petites explications pour vous montrer comment on fait un DP. Alors, voilà notre deuxième DP. Je vous montre le dessin. Donc, un attrape-rêve, cette fois-ci avec des plumes. Il y a quand même un petit papillon là. Voilà. Magnifique aussi, avec de très belles couleurs. Donc, comme d'hab, le petit toolkit. Et on a des perles rondes, toujours en chapelet. On a 19 couleurs. Et je vous montre les couleurs. Donc là, on va avoir un joli camailleux de rose, de violet, de parme, voilà, de bleu marine. Voilà, des jolis bleus aussi. De très belles couleurs. Bon, celui-là est très bien. Du noir, bien sûr. Bon, là, ça va, il y a un sachet. Voilà, ici, vous voyez, un camailleux de parme, de violet, de bleu. Voilà. Je crois que oui, je vous ai tout montré. Et maintenant, le kit. Donc, c'est un 30-40 également. 19 couleurs. Pareil, d'excellente qualité. Magnifique. Vous retrouvez encore l'image de chaque côté et les légendes. Niveau des légendes, ben, le 1, alors c'est toujours le même. Ça va être... Allez, ne floute pas. Ah ouais. Le sigle pi, des chiffres et des lettres majuscules. Donc là, ce sont les couleurs DMC, hein, et là, les numéros qu'il y a sur les sachets, 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous le retrouvez des deux côtés avec le petit dessin. Mais les dessins, je vais vous les remettre en photo, hein, ce sera beaucoup mieux. Donc niveau impression, bah, il ne va pas y avoir de problème non plus, hein, puisque c'est exactement la même marque, la même qualité. Voyez, et niveau colle, ça colle. Voilà. Donc, encore un très beau DP. Alors, pour ces deux DP, ils sont au même prix tous les deux. Donc, ce sont des 30-40 tous les deux. Perles rondes en chapelet, sachet chapelet, pas facile à dire ça, hein. Et leur prix est de 8 euros pièce. Voilà, voilà. Donc vous avez vu les deux DP, ils sont super beaux, hein, des jolis attrape-rêves. Alors le dernier article que l'on a choisi, c'est un coussin. Oui, voilà.
Donc, ça, j'en ai jamais fait. Là, c'est moi qui vais le faire. Donc, c'est un coussin que vous allez diamanter, une housse de coussin. C'est pas le coussin en entier. Il vous restera à mettre. Moi, c'est pareil, j'ai des vieux coussins là, donc ça va me suffire. Vous mettez un coussin à l'intérieur. La taille, c'est 40 sur 40. Donc, c'est une taille standard pour les petits coussins. Bon, coussin comme ça, ne le laissez pas au niveau des papattes de vos petits poilus, bien sûr. Hein. C'est un coussin que vous allez mettre pour décorer ou mettre sur un lit. Voilà, nous, c'est ce qu'on va faire. Quand il sera fini, on va le mettre sur le lit. Parce que si on met ça dans nos fauteuils avec Pacha, Géry et Fifi, même si je vernis mon coussin, les perles ne vont pas rester longtemps dessus. Surtout que Géry aime bien faire ça dans les coussins. Voilà, il s'éclate. Alors, voilà comment ça se présente. Vous avez la boîte et voilà le dessin. Un joli lion. Magnifique. Donc, sur la boîte derrière, vous avez les explications, hein, comment faire pour. Aidez-moi pour faire votre DP, voilà, puisque c'est quand même un DP. Bon, les explications ne sont pas en français derrière, mais bon, il y a des images pour ceux qui n'en ont jamais fait. Et puis, vous regardez mes vidéos d'avant, vous allez voir tout de suite comment on fait du DP. Je me mets face bureau pour, il sort, pour vous présenter cette nouveauté. Voilà. Et nous voici arrivés. Oh, pardon, j'ai bougé le pied de ma caméra. Au bout de notre présentation d'article, avec ce dernier article, donc, comme je vous disais, c'est un coussin, une housse de coussin à diamanter. Voilà. Donc, vous allez retrouver ici les références. Alors, elles ne peuvent pas être sur le coussin, hein, puisque là, ce n'est pas une toile. Donc là, vous les retrouvez sur la boîte. Donc, ne perdez pas la boîte ou alors vous découpez juste ça pour récupérer la légende. Et on a, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 couleurs, dont le 310 et le 5200. Voilà. 5200, je pense que ce sont des... est en AB, je pense. Alors, on va vérifier ça. Je crois que ce sont des perles AB. Très bien, ça. Alors, on va mettre le carton sur le côté. Voilà comment ça se présente. Excusez-moi pour le bruit. Donc voilà le coussin, la housse, le dessin. Alors je vais vous, mais si je ne me suis pas trompée, mais normalement ça doit être ça, 40-40. Oui, 40 et demi. Bon, c'est pareil, hein. 40 et demi sur, ouais, 40 et demi. Voilà. Et donc voilà la housse. Alors, d'excellente qualité, très épaisse. Donc, il y a une fermeture éclair pour vous passer votre coussin. Je vous montre la qualité du tissu arrière. Ça fait un peu comme une toile de lin, mais alors très douce et d'excellente qualité. Voyez. Vraiment bien piqué et tout, donc il n'y a pas de souci, vraiment nickel, hein. Alors, hop, je cherche le bout de la fermeture pour le refermer. Ensuite, du coup, bah, vous allez diamanter de ce côté-là. Il y a une protection, bien sûr. Alors, le dessus, c'est un tissu un peu plastifié. Voilà. Et niveau impression, alors, je vous montre. Vous voyez, c'est vraiment nickel, nickel, nickel. Et la colle, ça colle très très bien.
Alors là, bien sûr, sur la tablette, ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais je verrai, moi, en le faisant, je vous montrerai comment je vais faire. Je vais peut-être utiliser, parce que moi, j'ai de grandes tablettes et j'ai les petites tablettes. Je pense que j'utiliserai la petite tablette que je glisserai dans le coussin. Mais ça, on le verra au moment où je le ferai. De toute façon, je vais très certainement la commencer cet après-midi. Là, j'ai très envie de le faire tout de suite. Donc, je vous remontrerai comment je fais. Oui, c'est bien ça. On a des perles AB, les amis. Voilà les perles AB. Alors, hop. Regardez. Donc, les blanches, ce sont donc c'est les 5200, mais en AB. Elles sont très, très belles. Et ensuite, on a des perles normales. D'excellente qualité, hein, ça, on le voit tout de suite. Ça, c'est pas noir, hein, c'est un marron foncé. Je suis désolée, ça donne moins bien sur ma marron du rouille. Un autre rouille. Beige jaune, là pareil. Du coup, là, on va avoir beaucoup de marron, de beige, hein, c'est normal, vu les couleurs. C'est un peu moins pétant, hein, c'est un peu plus orangé. Là. Aussi un peu plus orangé, du gris, un peu de noir, hein, parce qu'il en faut, et deux marrons comme ceci. Voilà. Alors, magnifique couleur. En plus, alors, les blanches, c'est quel? C'est le J. Alors, les blanches en AB, on va les retrouver ici, autour des yeux. Voilà. On va les retrouver dans les moustaches. Les moustaches, ce sera du AB. Et ici, dans sa petite barbichette, pareil, il va y avoir, il a sur le museau, des perles AB. Donc, ça va être vraiment très beau. Et on en retrouve un petit peu ici et un petit peu là. Voilà. Mais vraiment, alors, vous voyez, ça va être super beau. Là où c'est marqué J, ce sera les perles AB. Donc voilà. Bah écoutez, alors ça, ce coussin est pas cher du tout. 10 euros, tout rond. 10 euros pour avoir un magnifique coussin diamanté. Bien sûr, ce style d'objet va demander qu'il soit verni à la fin. Hein. Donc quand je l'aurai terminé, je vous montrerai également la partie où je vais le vernir. Moi, je vernis avec le vernis colle brillant de Cléopâtre. Donc, il y aura ça sur le coussin. Alors, voilà ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc, le coussin en tête de lion. Un diamond painting attrape-rêve avec des plumes. Non, les plumes, ils sont là. Là, c'est pareil. Il y a des plumes, mais il y a le papillon. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ensuite, bien sûr, vous avez la lampe. Voilà. Donc, je vais vous la coucher, la lampe, pour que vous la voyez mieux. Et donc, la lampe, pour vous bien voir votre travail. Donc, je vous rappelle, la lampe est à 20 euros. Les deux petits kits sont à 8 euros pièce. Et le coussin à diamanter est à 10 euros. Voilà. Je vous remets en barre d'infos le lien de la boutique et le lien également des articles que je vous ai présentés. Et chose très importante, c'est pour ça que je vous ai demandé de rester jusqu'au bout de la vidéo, la boutique Fonmania vous offre un code promo. Voilà. Alors, faites vite pour aller choisir vos articles. Pour le moment, le code promo est en place pour une quinzaine de jours. Je vous remarque les dates en incrustation sur la vidéo. Donc, vous avez le droit à 10% sur votre commande. Il va y avoir des nouveautés. Il y a déjà des nouveautés, mais il va encore y en avoir d'autres. Et je sais que bientôt, alors je ne vais pas vendre la peau de l'ours tout de suite. Je vais garder ça un peu secret. Mais il va y avoir bientôt une super nouveauté que l'on ne voit nulle part ailleurs.
Voilà, je n'en dis pas plus. Dès que je l'aurai en main, je vous la présenterai. Soyez-en certains. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Alors, si vous cherchez les cartes de Noël, malheureusement, il n'y en a déjà plus. Ils ont été dévalisés. Les gens ont sauté dessus. Donc là, malheureusement, il n'y a plus de cartes de Noël. Mais vous avez plein de DP sur le thème de Noël. Si vous voulez encore en faire maintenant, c'est le moment, hein, c'est la période. Et après, vous avez des DP de toute taille. Des petits, des grands, des moyens. Des DP avec plusieurs tableaux. Vous savez, les DP où il y a 4 ou 5 tableaux pour faire l'image. Vous allez retrouver les coussins, vous allez retrouver des accessoires, dont la lampe. Donc, allez vite voir le site, allez vite passer votre commande. Moi, ça ne me ramène rien, hein. Ça vous ramène juste à vous, moins 10% sur votre commande. Et également, vous avez les frais de port gratuits si votre commande atteint les 60 euros. Voilà. Je pense avoir tout dit et je vais vous laisser pour aujourd'hui découvrir ce site internet si vous ne le connaissez pas encore. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude avec ce beau lion. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.